Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur l'Asclodia. Ça sera une sorte de guide pour progresser dans le jeu. Par exemple, vous avez peut-être débuté le jeu, mais vous avez manqué quelques points qui pourraient vous aider à progresser rapidement. Donc ce guide sera là pour ça. Je suis un petit peu avancé dans le jeu, et j'ai eu l'aide de gens encore plus avancés que moi sur mon Discord, pour faire une sorte de liste de choses à ne pas manquer. Déjà, on va admettre que vous avez terminé votre reroll. Une fois terminé, si par exemple vous voulez utiliser votre compte sur téléphone, ou sur un autre émulateur, il suffit d'aller dans Menu, Account, et là vous faites Confirm Setup Transfer Code, et vous aurez une idée, et vous pourrez mettre un mot de passe, vous le noterez, et vous aurez juste à l'entrer sur une autre plateforme. Ensuite, pour bien débuter dans l'Asclodia, il faut avancer dans l'histoire le plus vite possible, parce que c'est là que vous allez débloquer beaucoup de fonctionnalités. Alors vous allez arriver ici, et en fait il faut au moins avancer jusqu'à la capitale, et la terminer, la Royal Capital Aldania, faut la terminer. Vous allez débloquer des fonctionnalités déjà comme l'event. L'event en bas à droite là, hop, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs events, vous avez 5 orbes, un orbe se recharge toutes les 50 minutes environ. Premièrement, vous avez l'event gold à faire une fois par jour, ça peut coûter de 1 jusqu'à 3, voire même plus, j'ai pas encore débloqué le mode après hard, je suppose qu'il y en a un. Ça c'est bien pour l'or, donc c'est vraiment à farmer, et c'est pour ça qu'il faut avancer vite dans l'histoire pour débloquer l'event. Ensuite, vous avez aussi les runes. Les runes, ça sera en fait pour avancer dans votre sphérié, tout simplement. Et vous avez aussi Limit Breaker Field, là justement c'est pour éveiller vos personnages et les passer. En fait, vos personnages qui vont atteindre le niveau 20, ils vont être bloqués. Il faudra leur donner des matériaux pour que le niveau 40 soit débloqué, niveau 60, etc. Donc l'Event Gold, Rune et Éveil, ça sera débloqué une fois que la capitale sera terminée. Ensuite, c'est pas tout parce que plus vous allez progresser dans l'histoire, plus vous allez débloquer les Soul Spots. Qu'est-ce que c'est les Soul Spots? Donc en bas à droite, ce sont des fontaines d'orbes, d'orbes bleus et d'orbes rouges, qui vont vous conférer justement des orbes bleus et des orbes rouges à un certain temps, et vous devrez les collecter. Donc là, on va faire Collect All, voilà. On a tout collecté. A noter qu'il faudra d'abord augmenter votre stock d'orbes bleus en priorité et vos soul spots bleus en prio. Limite, à la limite, augmenter votre spot orbe rouge level 2, level 3, mais pas plus. Donc, orbe bleu en priorité, pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de farmer. La plupart des arcs que vous allez jouer vont consommer des orbes bleus. Donc ça va être les orbes bleus à privilégier. Ensuite, c'est pas tout parce que avancer dans l'histoire va vous permettre de débloquer le mode manuel. Donc pour le débloquer, vous finissez la capitale, ensuite vous allez dans Shop, et là on descend et on voit le mode auto et le mode manuel. Donc 8000 or chacun, ça sera assez simple à avoir. Ça sera bien pour justement contrôler vos unités, les faire bouger justement, et l'auto justement pour l'auto et que ça soit automatique une fois que vous avez fait le stage au moins une fois. Dans ces shops là, il n'y a pas que le shop de la capitale, il y a d'autres shops, vous aurez des items uniques à acheter, c'est bien. Parce que, par exemple, des épées qui donnent 22 de force, une baguette qui donne de la force et de l'intel, c'est des items uniques à acheter une seule fois, donc c'est à privilégier à acheter, par exemple, pour un personnage que vous utilisez. Ça va vous aider parce que le jeu n'est pas non plus si facile que ça. En plus de ça, dans l'histoire, vous allez avancer et vous allez remarquer des espèces de petits scintillements, de petits lieux qui scintillent. Ça va être soit des zones, soit des trésors. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur le petit scintillement là, et ça a débloqué une map, voilà, par exemple. Donc j'ai carrément une nouvelle map avec des cristaux à gagner, etc. Ça sera pareil pour aussi les petits trésors qui vont être éparpillés. Là par exemple il y a un trésor à droite de Melboria Wetlands. Le petit trésor, tac, voilà, je l'ai ouvert et j'ai une récompense. J'ai un item par exemple, un item unique, cool. C'est pas fini parce que avancer dans l'histoire va vous débloquer Conqueror. Qu'est-ce que c'est Conqueror? C'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'obtenir des souls de personnages. Donc là Zekus et là Shin. Ces âmes-là servent tout simplement à avancer dans le sphérié, débloquer des skills, de l'histoire, des passifs, c'est à ça que sert le sphérié. On ira plus tard le voir. Par exemple, vous mettez un personnage, donc là je mets Zekus, vous programmez le temps, donc 20h, ça va de 5 à 20h, et vous aurez, toutes les 5h, vous aurez une âme. Donc là j'en aurai 4, de qui part 20h. Le sphérié c'est simple, on va aller le voir tout de suite, hop, on va dans Unlock Ability, et on aura tout le sphérié des personnages, du personnage. C'est là que vous allez avoir ses compétences, que vous allez augmenter ses compétences, ses passifs, c'est super important. Il faut le maxer, généralement, un perso comme ça, il faut le maxer, surtout Shin par exemple. Autre point à savoir, c'est les amis, c'est super important dans l'Asclodia, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir des points d'amis. Donc là, Add, vous pouvez accepter, rejeter les invitations, Search, vous avez votre idée pour augmenter l'ami, et là en fait, Gift, tous les jours, vous recevez des gold, et en plus vous pouvez offrir
des gold et vous aurez des points d'amitié. Pour augmenter votre liste, je vous conseille d'utiliser des cristaux, c'est important, parce que votre liste est limitée à 30. Vous gagnez des places d'amitié en montant de rang, mais surtout vous pouvez acheter jusqu'à 50 slots d'amis, c'est super important, donc faites-le, claquez vos cristaux en priorité sur la liste d'amis. Pourquoi ? Parce que la liste d'amis va vous permettre donc d'avoir des points d'amis et de débloquer un shop. Donc voilà, le shop, c'est pas forcément le débloquer, mais plutôt avoir les ressources nécessaires pour acheter les compos. Donc là, hop, on va dans Friend Point, et là vous pouvez acheter un tas de compos comme de l'éveil, des runes. C'est super utile pour justement limit break vos personnages, très très utile. C'est vraiment un point clé pour progresser vite dans l'histoire et progresser vite dans le jeu. Ensuite vient le choix de l'arc pour votre personnage. En fait, chaque arc est intéressant, dans le sens où il va permettre d'apprendre des compétences à votre héros. Là par exemple, j'ai mis Defense Up et Garde sur Shin. C'est donc un artefact rare, donc qui est pas très bien, qui est pas rare du tout. Enfin, qui est pas SSR, pas SR. Et c'est super bien au final. Donc d'abord, la priorité, c'est d'apprendre des skills à votre personnage, parce qu'une fois que Shin aura maîtrisé par exemple HP Up de ça, une fois que j'aurai déséquipé, mon Shin aura la compétence. Donc là, je vais sur Shin, je vais dans Skill Set, Passif, et là, justement, je peux lui mettre HP Up. Voilà. Et là, il l'a. Bien sûr, ça consomme des points de compétence et vous êtes limité à 20, par exemple. Pour augmenter, il faudra justement des soldes de Shin. Donc, par exemple, Shin, je vais lui donner plein d'artefacts pour qu'il apprenne des skills. Et une fois que ce sera fini, je mettrai un artefact. Ça sera pour le endgame, justement. C'est pour ça que les artefacts comme les deux chips sont importants, parce que c'est pour le endgame, pour leur passif justement, qui vont être utiles. Par exemple, le Pirate Ship, qui donne des points spéciaux pendant 6 secondes à chaque stage. Donc je résume, d'abord utiliser les arcs, peu importe qu'ils soient rares ou super rares pour les skills, et une fois que c'est fini, une fois que votre personnage est complet, qu'il a tous les skills que vous souhaitiez, vous pouvez lui mettre un arc, généralement SSR, pour son passif. Pour vos arcs, je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut en fait trouver des sortes d'items cachés dessus. Par exemple ici, vous appuyez sur View, en haut à droite, et là, il y a un petit scintillement sur le coffre, vous cliquez dessus, et hop, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Un item, voilà. C'est tout. Certains arcs ont ça, je ne sais pas lesquels, mais regardez vos arcs, inspectez-les, vous aurez peut-être des petits trésors cachés comme ça. Sinon, pour votre team, généralement, ce que je conseille, on va dire, pour la team en général, c'est de mettre un DPS physique. Pourquoi ? Parce qu'il, pour qu'il fasse des dégâts sur le break du boss et qu'il protège votre DPS magique et votre healer. Un DPS magique, du coup, généralement, c'est celui qui s'occupe de faire les gros dégâts et surtout les AOE. C'est surtout beaucoup de masques qui ont des AOE avec les sorts. Et un healer, bien sûr, ça, il n'y a pas besoin de préciser, il est là pour tenir votre team en vie. Ensuite, si vous commencez, vous pouvez voir qu'en haut à gauche, il y aura un truc qui s'appelle Beginner Challenge. Faites-le, c'est pour avoir Melza. Melza, c'est elle. C'est elle, Melza, White Knight Melza, qui est correct. C'est un personnage qui peut servir de soutien si vous n'avez pas de healer. Moi, je lui ai appris, par exemple, du heal, et c'est plutôt correct. Ensuite, dernier point que je voulais vous montrer en combat, ça va être, en fait, juste un petit truc. Vous allez dans le menu. Attendez, j'ai une petite cutscene. Le menu, Settings. Et là, vous décochez Special Cutting. En fait, c'est juste que le cutting, c'est... Quand vous lancez un ulti, il y a l'image de votre personnage qui apparaît. Et ça peut poser une sorte de pause dans le jeu, et ça peut être assez chiant, donc désactivez-le, ça sera plus fluide, après c'est une question de préférence. Donc là par exemple, là je fais une ulti, et il n'y a pas l'espèce d'image, et ça rentre directement dans le jeu, et je trouve ça bien plus fluide. Voilà, c'est un exemple d'ulti. Pareil pour Shin, hop, j'appuie sur Shin, il n'y a pas l'image qui est apparue, il fait directement son ulti, je trouve ça plus agréable. Je trouve ça un peu plus propre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, sinon... Potentiellement économiser vos cristaux pour des bannières qui vont venir. Bon, moi je suis pas un très bon exemple vu que j'ai un peu all-in, mais je pense pas que je vais garder ce compte, donc je verrai bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que sur la version Jap, il y a des personnages bien plus forts qui sont sortis, notamment des personnages de la collab Secret of Mana qui pourraient éventuellement venir sur la globale, et ce sera des personnages à invoquer absolument. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit guide, ce petit résumé. Donc je rappelle, liez votre compte. Avancez dans l'histoire pour débloquer le mode auto, le mode manual, les events, tous les soul spots, les équipements, la fonction conquer. Pour vos personnages, mettez d'abord les skills des arcs, puis après les passifs des arcs. Pensez sur la world map à checker les trésors cachés et les petits trucs scintillants pour débloquer des nouvelles zones. Privilégiez d'abord les orbes bleus pour augmenter le level de vos arcs,
puis après vos orbes rouges. Et agrandissez votre liste d'amis, prenez le plus d'amis possible, généralement des amis actifs, pour avoir des points d'amis rapidement et acheter dans la boutique amis des compos pour éveiller et augmenter les skills de vos personnages. Voilà tout, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, pour ce guide. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Peut-être que je referai des vidéos sur l'Asclaudia, le jeu me plaît. Donc j'en ferai de temps en temps. Si j'ai le temps d'en placer une entre deux vidéos d'Epic Seven. A plus.